coucou les amis, bonjour à tout le monde, bonjour les beautés, soyez les bienvenus. Voilà, donc aujourd'hui je partage mon secret beauté, comment je prends soin de ma peau, de mon visage spécialement, comment j'entretiens cet éclat, comment je garde l'éclat, et je vais présenter le matériel que je vais utiliser. Voilà, donc j'ai mon savon noir, très important, le savon africain, savon noir, ok, d'origine africaine. J'ai ma brosse électronique, ok, question de mélanger, de nettoyer en profondeur. J'ai mon masque lingette de chez Victoria's Secret. Vous pouvez utiliser n'importe quel masque lingette, ça dépend de vous, mais moi j'ai une préférence spéciale pour les masques lingettes de Victoria. C'est vrai que j'utilise d'autres masques aussi, mais bon, voilà. Et j'ai également, enfin, j'ai mon mélange magique. Mon mélange magique qui est composé de trois ingrédients naturels essentiels que je vais partager avec vous plus tard. Alors voilà, commencez par liker cette vidéo parce qu'on va partager de très bonnes choses. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, ok? N'oubliez pas que cette chaîne parle de beauté, de business et de mentalité, de mindset. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de beauté, partager avec vous comment je prends soin de mon visage, de ma peau. Et on est en été, il est important de garder sa peau en bonne santé, éclatante, fraîche. Et voilà, donc ça ce sont mes astuces, ok, ça peut forcément pas marcher pour vous, mais ça ce sont des astuces qui ont marché pour moi depuis plusieurs années et également pour mes proches. Alors, donc ce sont des produits naturels, donc vous ne perdez rien en essayant. Et voilà quoi, donc si vous avez d'autres propositions, si vous voulez ajouter quelque chose à ce que je vais partager, n'hésitez pas, commentez et partagez, je peux apprendre également de vous également. Donc, mais ces astuces, si je vous assure, si vous commencez à faire ces astuces, commencez à utiliser ces produits et de la manière dont je vais vous montrer, je vous assure, vous aurez une peau éclatante, naturelle, fraîche, en bonne santé, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes choses. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Yeah, let's get started. Alors, je vous rappelle aussi qu'il y aura une vidéo en anglais de cette vidéo, de cette vidéo. Je vais faire la version anglaise. Alors, donc, voilà, on va commencer. Ma peau est fraîche, ma peau est lavée, ma peau n'a aucun produit, ok? Donc, je vais vous présenter ce produit parce que c'est ce que je vais commencer. Je vais sprayer ce produit sur mon savon. Alors, ce produit est naturel. Il est composé de trois ingrédients naturels. Il est composé de l'aloe vera, du citron et du sirop d'agave. Alors, trois ingrédients qui sont certainement importants, qui sont très importants pour la peau. Ça, déjà, je ne vous apprends rien. Alors, voilà. Je vais faire une vidéo spécialement pour ce produit. Quels sont les bienfaits de chaque ingrédient, pourquoi je l'utilise et tout et tout. Mais en avançant, je vais vous dire également ce que ça fait pour la peau. Alors, je spray. Alors, je spray le produit sur ma peau. Je ne le mouille pas. Je spray avec ce mélange. Ok. Dès que je spray, je prends ma brosse. Voilà. Je prends ma brosse. Je frotte sur mon savon. Savon noir. Les femmes pour rester belles, ce travail. Pour garder sa peau propre, c'est le travail. Donc, je prends comme mon produit, mon mélange, je spray ça sur la brosse. Vous avez vu, non? Je spray pour que ça soit mouillé. Ça veut dire que sur mon visage, je peux spray un peu. Bon, j'ai pas vraiment besoin puisque la brosse est assez. Maintenant, j'appuie, je mets la brosse en marche. Vous savez, le citron est un ingrédient naturel qui rehausse l'éclat de votre peau. Ok, il ne mousse pas assez. Moi, je veux qu'il mousse parce que je suis en train de nettoyer le visage. Je suis en mode nettoyage. Donc, c'est important que le savon mousse. Voilà, vous voyez, le savon est en train de bien mousser. Voilà. Voilà. Si vous voulez regarder en fait la vidéo complète du produit, du mélange que j'ai fait avec les trois ingrédients naturels, j'aurai une vidéo disponible comment et la quantité des ingrédients à mélanger parce que c'est important la dose. Parce que c'est pas juste de mélanger, mais il faut savoir la dose, ok, quelle dose de citron, quelle dose d'aloe vera, quelle dose de sirop d'agave. Si vous ne voulez pas utiliser le sirop d'agave, c'est pas un problème, vous pouvez utiliser le miel naturel 100% organique. Alors, vous pouvez déjà constater comment ma peau est en train de regarder la différence. Ma peau est déjà en train de ressortir son éclat. Juste, j'ai même pas encore commencé. Vous voyez déjà ce que ça fait. Ça, c'est un nettoyant. C'est à la fois un nettoyant, c'est ici un masque et un gommage que je suis en train de faire. C'est une procédure nettoyage, gommage et masque.
Après avoir brossé, je vais laisser agir pendant 5 minutes et vous allez voir le résultat à la fin. Alors pourquoi pas, je gomme aussi, je nettoie mes lèvres. Ça fait du bien, hein? Waouh! Waouh! Ouais, comment déjà l'éclat ressort sur ma peau. Vous voyez comment l'éclat ressort. Comparé un peu mon cou, qui était la même couleur que mon visage. Vous voyez la différence, comment ça commence déjà à être éclatante, ma peau du visage. Alors, voilà. L'important d'utiliser les ingrédients naturels sur votre peau. Les ingrédients chimiques trop utilisés, ça agresse votre peau, ça affaiblit l'épiderme de la peau. Et lorsque vous prenez de l'âge, ça se ressent, quoi. Ça se voit sur le visage. Prenez soin de votre peau sans utiliser des ingrédients, des produits avec des ingrédients chimiques qui agressent la peau. Moi, j'ai commencé depuis quelques dernières années. Moi, j'ai décidé d'utiliser des produits naturels au maximum. Si j'avais des produits, si j'avais majoritairement des produits chimiques, j'ai mis la croix, j'ai réduit les produits chimiques. Et j'ai maximisé avec les produits naturels. Et je trouve que c'est super. C'est la plus belle décision, l'une des plus belles décisions que j'ai jamais prises pour ma peau, pour mon visage, pour ma peau. Voilà. Et je rappelle que ce savon noir, il peut s'utiliser pour le corps. Okay? Je vais faire une vidéo également comment garder l'éclat de son corps. Lorsque vous êtes sous la douche, prenez votre bain. Comment gommer votre corps avec ce savon, avec beaucoup d'autres ingrédients secrets que je vais partager avec vous. Et utiliser soit un gant, soit une brosse. Mais on est là sur le sujet du visage. Restons sur le sujet du visage. C'est juste pour vous donner un peu déjà un aperçu de ce qui va se passer. Donc ça picote un peu. Ça veut dire c'est en train de travailler. Alors je vais laisser reposer pendant quoi 2 à 3 minutes et je vais rincer. Ok? Mais comme je suis là en train de vous montrer la vidéo, je vais pas rincer. Je vais juste nettoyer avec mes lingettes. Comme c'est juste une démonstration là en pleine vidéo, je vais juste nettoyer avec mes lingettes et je vais passer à l'étape suivante qui est le masque. Voilà. Donc voilà, on suppose que ça fait. Mais il faut déjà regarder comment le visage est déjà éclatant. Je vais utiliser mes lingettes au collagène. Moi j'aime beaucoup le collagène, ça favorise vraiment l'élasticité de la peau. Donc, produits au collagène, lingettes au collagène, vitamine C sont mes préférés. Alors je nettoie. Vous voyez? Et vraiment, les beautés, vous n'êtes pas obligé de faire, c'est déconseillé de faire ceci tous les jours, hein. Moi, je le fais une fois par semaine, hein. Faites ce traitement une fois par semaine. Bien évidemment, vous lavez votre visage tous les jours, mais brosser, c'est une fois par semaine parce qu'une ou deux fois, ça dépend de la condition, ça dépend des conditions de votre peau. Parce que ça fera un peu trop de faire tous les jours. Voilà, vous voyez, je nettoie bien. Voilà, donc vous voyez, c'est propre. Voilà, ma peau est fraîche, propre. Je prends une deuxième lingette. Voilà, je prends une deuxième lingette, propre. Alors,
Waouh! Alors, les beautés, vous voyez? Ma peau éclatante, vous voyez? Donc voilà. Voilà l'astuce que j'ai partagée avec vous. Vous voyez, je partage mes secrets avec vous. Donc si tu as une astuce beauté, comment tu prends soin de ton visage, j'aimerais t'écouter. Commente, laisse ton contenu, laisse ton lien, ta vidéo, ta chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà. Le produit qui reste, tu masses le produit sur ta peau, tu ne rinces pas. Tu masses. Voilà. Tu ne rinces pas. Tu masses. Voilà. Wow. Je sens ma peau. Comme si ma peau. Alors, on se dit comme ça bientôt. J'espère que vous avez aimé. Partagez. Thumbs up. Pour plus de vidéos beauté, pour plus de secrets beauté. Ok? Partagez, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Mouah, bisous, love you, see you guys. Hey.